Nous y sommes. Je suis gênée un peu. TFX a du coup annoncé, TFX, TF1 et le compte de la villa, a annoncé du coup l'histoire de Vincent et moi, que vous êtes en ce moment actuellement en train de suivre sur la villa. Mais c'était de base, quand t'es en tournage et que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu peux pas te montrer avant la fin de la diffusion, mais bon, on vit ensemble, donc c'est un peu compliqué pour nous de se cacher. Du coup, ils ont annoncé hier, je vais vous mettre la vidéo juste après. Ils ont annoncé hier, on a annoncé hier, on a fait une vidéo pour faire l'annonce. Je voulais vous remercier pour tous les messages d'amour, pour tous les messages de bienveillance, pour tout. Vos commentaires sous le post, bon, bien évidemment, vous pouvez pas louper certains commentaires négatifs, les comparaisons et tout, mais ça, je m'y attendais. Et puis, je vous avoue que je n'y prête pas attention, je m'en fiche complètement. Du coup, ça me fait grave plaisir de vous lire, ça me fait grave plaisir de DM. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a reçu une tonne, mais quand je dis une tonne, c'est une tonne de messages. Mais j'essaie de faire au mieux et de répondre un peu à tout le monde. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste après et vous allez comprendre. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire, je ne suis pas tout seul. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah moi c'est Vincent. Moi c'est Marois. Comme vous pouvez le voir en ce moment dans les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés. On commence à se rapprocher. Et il commence surtout à me draguer. Réponds à la drague aussi, okay. Il me drague merci. Beaucoup. C'est vrai que je la drague, beaucoup. C'est vrai, comment ne pas la draguer. Oui, c'est vrai. on voulait juste vous faire cette petite vidéo pour vous dire que ça commence à être compliqué de se cacher, en fait. Voilà, mais je pense que beaucoup l'ont compris aussi. Bah oui, bien évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup qui le savent, qui nous suivent sur nos réseaux sociaux respectifs, qui suivent la Villa des Cœurs Brisés. Nous sommes ensemble, nous sommes bien ensemble même. Bien en couple. La vérité, c'est que c'est qu'une information, ça. Je pense que la façon dont on s'est mis ensemble. Voilà, du coup, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, putain, c'est trop bizarre. Genre, j'ai plus besoin de me cacher. Donc, c'est pas qu'on vous a menti ou qu'on on voulait pas dire, c'est juste qu'on était quand même tenu par le secret professionnel. Professionnel, qu'on a des engagements, on a des contrats et c'était pas de notre ressort de vous le dire avant, maintenant ou plus tard. Enfin, on a justement demandé à ce que ça se passe le plus tôt possible. C'est quand même mon meilleur ami, c'est clairement quand même mon meilleur ami. Du coup, je le considère vraiment comme mon meilleur ami en fait, vraiment.